Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Media nan et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie de l'équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous pas perdre du temps. N'a commencé. Cool, yeah. Nous comptons ensemble avec vous et fond nous déjà. Que la situation dans le pays d'Haïti a évolué presque chaque jour, minute en minute, seconde en seconde, surtout avec cette histoire d'entreprise kidnapping qui a opéré dans le pays, surtout dans quatre coins pays ces derniers jours. Et au pas de un jour que levé, mais au pas de que levé, l'actualité, c'est kidnapping. Ou bien moun ki assassiné. Donc c'est une situation qui est déplorable et on attendait qui est-ce qui gagne fort à faire dans pays là pour capable arriver même mettre frein la question machine kidnapping ça entreprise ça qui a fonctionné dans pays là et pour être capable mettre contrôle sur lui mettre frein ou mettre code de la justice le coup moun qui a pu faire opération ça marché très bien comme ça dans le pays. En même temps, nous voyons que quelqu'un cap dit nous que faire connaître que Haïti comme première république noire et bien, de jour en jour ou son pays cap disparaître. Pays cap disparaître par faute d'autorité intègre. Pas gain autorité qui est morale dans le pays et aller voir pour compétence, c'est zéro barré. Donc un pays qui est fragile à tous les points de vue de la population. Côté que 60% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté, sans service public, ou va assister à l'asphyxie du monde rural. Quant au monde urbain, il est pris au piège de bidonville. Donc, pays a récolté que seulement la misère. Grand Manitou accompagné et fait culture à bio pour capable justifier politique ou vivante pays à l'importation, bourgeoisie haïtienne n'a pas produit rien. Force morale de démissionner, et si je n'y ai pas pays, il y a trois options. Constitution, banditisme, exil. La justice, appel de justice, je n'ai pas dit à la pays d'Haïti. Devant constat ça, qui chimé pays a de faire pour espérer un domaine meilleur. Ces questions ça en pile mon a posé en pile mon ta avec réponse là mais nous même réponse pas là mais nous et nous seulement présenter tableau et solution pour faire changer avec le moyen du bord pour capable mettre en application n'apprendre tout droit avec information c'est nouvelle le mort maestro Raoul Guillaume et n'a plus que funérailles chantées vendredi 4 décembre, dans l'église Saint-Thérèse Pétionville. Maestro Raoul Guillaume était décédé le 29 novembre dernier. Défait pour te fêter 93 ans le 17 décembre. Un homme aux multiples talents, musicien, chanteur, compositeur, chef d'orchestre, poète, humoriste, comptable, bricoleur. Raoul Guillaume te fait connaître que te fait tête paraître. Et bien, l'orchestre Issa El Saye, qui était collaboré avec l'orchestre Casino International, l'orchestre de la Radio Nationale et avec Charles-Alexandre Abelard, et puis le groupe de Raoul Guillaume, qui était joué à côté des musiciens emblématiques de la musique haïtienne, de Mouja Baptiste, Robert Sico, Guy Dirozier, et Joe Trouillot, et puis avec Romain Raoul. Maestro Pierre-Joseph Raoul Guillaume, c'est auteur des compositions, tant que Vive le football, Complète, Paysanne, Maboune, Pézé Café, Madame Bruno avec Yoyo. Donc, c'est comme ça. On a pu profiter pour nous dire une bonne traversée à Maestro Raoul Guillaume, et bien qui était le plus j'ai voulu. L'autre information, toujours. Et n'a pas le froid ça de Alep Sécurité, ambassade américaine mettait dehors, suite à augmentation spectaculaire envers un son qu'a fait dans le pays.
en moins de 7 jours, 14 moun kidnappé parmi eux, un citoyen américain avec résident permanent, l'ego américain qui ont kidnappé. L'ambassade la demande de citoyens américains dans le pays pour limiter déplacement inutile de la région. Avis de voyage niveau 4 là, qui est toujours en vigueur. Demandez pour éviter en ces zones, surveiller message radio à télévision 4 bail, mise à jour, faites profil bas. Pape calé kono, pape mettez gros chemise, gros rat, gros pantalon, tombe sous derrière, pour faire mon kona fait nous bon. Donc, et selon notre là, et je demande tout que vous informez amis nous, informez nous de sécurité, non, pour conscient de l'environnement que nous y a. Soyez vigilants lorsque nous allons faire transaction à la banque ou dans le guichet ATM. Pas afficher signe de richesse et ça va coûter nos chers. Donc, pas mettre du jour un gros mot qui est capable de la cause. Eh bien, Malais capable de vivre nous tous. Donc, c'est comme ça l'ambassade l'a parlé. La note que vous mettez dehors pour citoyens américains, pour prendre pile précaution lorsque vous souterrain, c'est-à-dire que dans le pays d'Haïti. L'autre information que nous voulons pour nous partager ensemble avec vous, c'est sur la mort, maître Antoine Joseph Giragoub. Nous dit bien oui, maître Antoine Joseph Giragoub, le mineur juriste homme politique qui mourit trois jours après que fin fêté 95e anniversaire. Donc, il est décédé vendredi dans l'hôpital Canapé Vert. C'est un grand défenseur des droits humains, un grand professeur émérite à l'Université d'État d'Haïti, grand avocat, fondateur du collège Giragoub. Il a aussi contribué à la formation de plusieurs générations d'élèves. Et à la chute de Duralli, il était ministre de la Justice, également ambassadeur, candidat à la présidence. Donc, nous dit paix à l'âme de maître Giragoub, qui était un grand professeur, un éminent juriste. Pour nous finir, la paix de tout que gagner le gouvernement PHTK, la personne de Jovenel Moïse, qui dit un décret choc qui définit les actes et sanctions en Haïti. Donc, décret présidentiel là qui porte sur l'affaire de sécurité publique là, qui est publié le 27 novembre le journal officiel Le Moniteur, dorénavant considéré comme actes de terrorisme, les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne et l'enlèvement et la séquestration, le détournement d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les incendies, destruction, dégradation, de détérioration et des biens publics ou privés, des infractions en matière informatique, fabrication ou la détention illicite des machines engins meurtrières ou explosifs, la production, la vente, l'importation ou l'exploitation illicite de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide des dites substances. La détention, le port ou le transport illicite d'armes et de munitions. Les personnes physiques coupables de terrorisme sont passibles de 30 à 50 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 2 millions à 200 millions de gourdes sans préjudice des dommages d'intérêt et des autres peines prévues par le code pénal. Voilà, c'est tout ça que nous avons pour vous. Nous avons invité pour casser rendez-vous avec nous. Samedi prochain, même station, même longueur d'onde, pour une autre émission nouvelle. Mais avant d'y aller, nous allons profiter pour nous parler de l'échec opération policière village de Dieu. Côté que bandits est en place, aucune arrestation, aucune arme pas saisie. Donc, opération spectacle pour la galerie internationale. Car 24 heures après notre ambassade qui demande des citoyens américains qui vivent dans le pays à qui sorti pour qu'il y ait une précaution spéciale pendant le pays ou bien pendant qu'il y a avec activité. Donc, c'est une grosse situation qui est liée.
et nous espérons peut-être vers Valentin, dirigeant capable de mettre fin dans quelques gros problèmes qui ont rongé la population. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.